À New York ou ailleurs, assis dans son fauteuil de gloire, Lindbergh, l'aviateur, peut voir comme si c'était lui l'acteur qui joue le rôle qu'il a lui-même joué dans l'histoire. Au cinéma du Moulin Rouge, aujourd'hui, par la porte entrouverte de la cabine de l'opérateur, on perçoit des clameurs, celles de la foule des porteurs en triomphe à l'atterrissage de Bourget en 1927. Ailleurs encore, dans une cinémathèque, Védrine atterrit en 1919 sur le toit des Galeries Lafayette. Mais en même temps, dehors, c'est-à-dire aujourd'hui, encore à Paris, le ciel du dimanche craque dans la tête des gens. Festival au Bourget. Comme jeu de cartes, au cirque, par deux mains tenaces et crispées, la tendre lumière du printemps est déchirée, jetée, éparpillée. Et montent en l'air les perceurs de murailles, les creveurs de plafonds font leur exhibition. Sabres et scies et bistouris stridents. La fraise du dentiste singe le chant de grillons et de pauvres rats volants en combinaison Frankenstein fonce à toute vitesse vers la matière du temps. Malheureux vagabonds, tes remèdes du ciel balissables du son. L'actualité toujours de plus en plus bordée de noir et d'une obsédante lettre de faire part où ponctuellement, hebdomadairement, Zorro, Tarzan et Robin des Bois sont terrassés par de mille pattes atomiques. Les oiseaux par milliers volent vers les feux, par milliers ils tombent, par milliers ils se cognent. Par milliers aveuglés, par milliers assommés, par milliers ils meurent. Le gardien ne peut supporter des choses pareilles, les oiseaux il les aime trop. Alors il dit, tant pis, je m'en fous. Et il éteint tout.
Garçon, l'addition. Voilà. Vous avez deux œufs, un veau, un petit pois, une asperge, un fromage avec beurre, une amande verte, un café filtre, un téléphone. Et puis des cigarettes. C'est ça même, des cigarettes. Alors, ça fait... N'insistez pas, mon ami, c'est inutile, vous ne réussirez jamais. Et comment? On ne vous a donc pas appris à l'école que c'est mathématiquement impossible d'additionner des choses d'espèces différentes. Quoi? Enfin, tout de même, de qui se moque-t-on? Faut réellement être insensé pour oser essayer de tenter d'additionner un veau avec des cigarettes avec un café filtre avec une amande verte et des œufs durs avec des petits pois. Hein? Des petits pois avec un téléphone. Pourquoi pas un petit pois avec un grand officier de la Légion d'honneur pendant que vous y êtes? Non, mon ami, croyez-moi. N'insistez pas, ne vous fatiguez pas, ça ne donne rien. Vous n'entendez absolument rien. Pas même le pourboire.